Qu'est-ce qu'on est bien sans les règles de la vie qu'on nous impose, soit par nos parents ou par nos frères et nos sœurs. C'est vraiment magnifique. Vive la liberté! Bon, qu'est-ce qu'elle fait encore, Sana? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Ne me dis pas que tu es encore en train de manger des bonbons. Non, je mange pas de bonbons. Allez, donne ta sucette. Non, c'est pas bon. Non, non, tu donnes la sucette. Je suis désolée, tu donnes. Donne, merci. Mais papa! Je suis désolée. Trop de bonbons, ce n'est pas bon. Tiens, ça fait un moment que j'ai pas vu Sana. Je vais aller voir ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. T'as une sucette dans ta bouche? Bah ouais, pourquoi? Est-ce que papa il t'a vu? Bah oui. Papa! Qu'est-ce qu'il y a, Sana? Papa, Lina, elle a une sucette. Oui, mais elle n'a pris qu'une sucette, hein, c'est bon. Mais moi aussi j'ai pris qu'une sucette. Oui, mais elle est plus petite que toi. Quoi? Mais ça se fait pas! Oh, tu vas pas te fâcher pour si peu quand même. Allez, plus qu'une minute et notre machine à barbe à papa sera prête pour qu'on puisse faire une barbe à papa. Et ça se trouve, et en plus c'est la mienne la première. Non, c'est moi. C'est pas parce que vous êtes les plus petits que c'est vous qui allez commencer, c'est chacun son tour. C'est moi. Non mais arrêtez, du calme. Non, c'est moi. Ok, papa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Papa, je vais tout expliquer le scénario. Alors moi j'ai pris la barbe à papa, une super BD. Et il y a Céline, est-ce qu'on peut venir? Tu laisses Ilias et Lina en premier, ils sont plus petits que toi, c'est normal. Ilias et Lina les plus petits. On l'a bien eu. J'en ai marre que c'est toujours Lina et Ilias, donc je vais vous poser juste ici et je vais vous dire un truc. Tac, je vais partir, je vais fuguer, oui je sais j'en ai marre. Donc je vais faire ma valise et je vais prendre ce que je veux, je vais pouvoir prendre des mangas, je vais pouvoir prendre des chips, des bonbons. Maintenant, je vais avoir la liberté. Et pour cela, j'ai tout prévu dans ma valise. Déjà, mon plus beau bonheur, des chocobons, des Kinder Bueno, des trésors, les meilleurs chips qui puissent exister au monde, les Cheetos, des tonnes et des tonnes d'M&M's, des têtes brûlées, une tablette de chocolat Milka et aux noisettes, des granolas, une boîte entière de Capri-Sonne. Et juste les amis, je sais que c'est pas bon pour la santé, donc évitez de manger trop de bonbons, c'est pas bon pour la santé. Des Pringles, des Maltesers, des sucettes au carambar, des Mahomam, des Dragibus, des popcorn baf, et voilà. Mais c'est juste pour la nourriture, donc je vais vous montrer un peu ce que je vais prendre en plus, parce que si je mange que de la nourriture, je vais un peu m'ennuyer. Donc pour ça, je vais prendre deux mangas, parce que je vais pas tout prendre, sinon tout va pas rentrer dans la valise. Je vais prendre celui-là, et puis Magus. Une des choses les plus importantes dans tout ça, le portable, évidemment. Alors, j'ai que des masques, j'ai des tonnes de masques, donc je vais prendre tout ça. J'ai encore en prendre, hein. Je prends un peu de tout masque. Et encore ici, des masques. Parce que c'est trop relaxant les masques. Ça rajoute un petit peu de pépites sur le visage. Non, je rigole. Maintenant, le truc qu'on espère, bah, c'est que ça rentre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je vais prendre ça. C'est un cahier où il y a plein de feuilles de couleurs et de crayons. Comme ça, moi, je peux vraiment m'occuper. Je pourrais même pas m'ennuyer. Par contre, j'ai un peu abusé sur tous les trucs. Il y a trop de trucs. Bon, je vais essayer de tout mettre dans ma valise. Mais j'espère bah, que tout va rentrer. Je vais ouvrir les Capri-Sonne. Mais j'arrive pas à les ouvrir et du coup, je galère. C'est impossible à les ouvrir. Parce qu'en fait, je vais pas garder la boîte. Sinon, ça va prendre beaucoup trop de place. Bah, on va se retrouver après que j'ai réussi à ouvrir mes petits chéris de Capri-Sonne. J'ai réussi à ouvrir tous
Alors les amis, j'ai pris le maximum de choses. Tout est rentré dans la valise. Ici c'est plus du côté nourriture, boisson. Et ici c'est plus du côté, il y a quand même un peu nourriture, mais il y a également beaucoup de, ici de livres, de mangas, des masques pour visage, des crayons. Et j'ai une trousse aussi au cas où, si j'ai pas assez de crayons. Et là je pense que vraiment je pourrais pas m'ennuyer et ne pas mourir de faim ou de soif. Donc voilà, ma valise est juste ici. J'ai vraiment tout pris le nécessaire. Et puis là je suis sûre que j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais pouvoir vivre enfin ce qui me plaît. Je vais pouvoir faire ma meilleure vie. Vraiment trop faim, faut vite que je trouve un endroit pour que je puisse manger. Enfin, il y a une table où il n'y a personne et je peux enfin manger quoi. Enfin, maintenant j'installe ma serviette. Je vais me régaler. La marche, ça donne vraiment faim. Et j'ai aussi soif. Qu'est-ce qu'on est bien sans les règles de la vie qu'on nous impose, soit par nos parents ou par nos frères et nos sœurs. C'est vraiment magnifique. Vive la liberté! Maintenant, après les petits apéritifs, je prends quoi? Allez, des boules au chocolat. C'est bien. Maintenant, je peux faire ce que je veux. J'ai pas besoin de dire non, mais d'abord, tu prends une compote. Faut prendre des fruits. Et non, je fais ce que je veux. C'est génial. Enfin. Trop bon. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Des têtes brûlées, des sucettes, des Pringles, des popcorn. Qu'est-ce que j'aime la liberté. Bon, maintenant j'ai fini, je vais prendre une petite sucette, un petit dernier, parce que sinon je vais trop avoir mal au ventre. C'est l'heure de la sieste. Qu'est-ce que j'aime être tranquille. Tu étais où, Sana? J'étais avec des amis. On te cherchait partout. Je suis désolée, je savais pas, mais papa, j'ai un truc à te dire. Oui? Qu'est-ce qu'on est bien à la maison. Ça c'est vrai. Allez, je te laisse. Oui. Yes, j'ai un secret à te dire. Tu vois? Plus jamais je referai une fugue. Oh, chut.